So we finally meet. Bonsoir. Comment vont les Pogs? En ce qui me concerne, ça va. Je traîne toujours mon petit rhume, mais ça va. Pour reprendre où on en était, on venait d'arriver au cauchemar de Mentis, qui ne semble pas être une zone très très cool, mais bon, c'est pas grave, ça ne nous empêchera pas de progresser à travers... Du coup, Mentis, c'était une école, hein, donc ça ne nous empêchera pas de traverser cette école et de rouler sur tous les boss, bien entendu. Je vous propose de ne pas perdre plus de temps et on y va. Je tiens aussi à vous le dire en début de vidéo, mais les épisodes, je les enregistre également en live sur Twitch. Donc vraiment, n'hésitez pas à passer sur Twitch pour voir l'épisode directement lors de sa création. on en était là, c'est vrai qu'il y avait cette zone qui faisait de la lumière. Quand ça fait de la lumière, on devient fou. Ou devrais-je plutôt dire, je deviens folle. Pour ceux qui ont la référence du mème, allez, viens là. Ah, c'est bon, la lumière ne nous atteint pas ici. Je ne devienne plus folle. Oh putain, t'es mal à la gueule. Putain, ils nous font mal, ces petits connards. Ah, le dernier, il est là-bas, ok. C'est dommage qu'ils peuvent pas se taper les uns les autres là quand ils balancent leurs cailloux de merde. Voilà. Donc là-bas il y a un item, donc je veux le récupérer. Allez, on le termine là, voilà, dégage. Tuc. Tout ça pour ça. Putain, du coup je me dis j'aurais peut-être dû aller à droite parce que j'ai l'impression qu'à gauche c'est vraiment la suite. Ça ma petite cloche du coup. Oh là là, c'est immonde. Il y a vraiment des araignées immenses là. Bah, personnellement, j'ai pas envie. Voilà. Putain, en plus elles sont rapides les salopes. Aïe. Elles sont rapides et elles font super mal. C'est génial. Ok, ok, ok. Alors ça ne va pas marcher comme ça. J'ai compris. J'aimerais bien que quelqu'un me rejoigne. Je me parle parce que j'ai 3000 ans sur le même truc. Oh, on a quelqu'un. Dexiweeb. Ah, moi, je suis content d'avoir quelqu'un. Je sais pas où il est, par contre. Dexiweeb. J'ai besoin de toi. Où es-tu, mon ami? Et si c'est pas mon ami, deviens mon ami. Ah. C'est parce que c'est lui qui arrive, je pense. Il est là-bas. Ok, c'est bon. On est dans une zone tranquille maintenant. Wouah. Moi aussi je suis content, moi aussi je crie. Bon, alors il y a cette araignée à buter, c'est ça? Pourquoi elle est descendue, moi? Pourtant j'ai marché. Oh merde. Ok, visiblement en marchant on devrait être tranquille. On n'est pas du tout tranquille. La grosse elle peut pas nous suivre. Regardez, elle est grosse, elle peut pas. Ah t'es bien conne là hein. Ah t'es bien conne. Hein? Viens me test salope. Eh ben non tu ne peux pas. Tiens, voilà, ça prendra. Je vais faire comme lui. Hop là, petit mouvement de cap, y'a quoi? Il me souffle dessus. Non mais il me pète dessus. Tu arrêtes de péter maintenant. Il s'est relevé pour mourir. Alors franchement, c'était très utile, ça, encore une fois. Bravo.
Moi, je le suis, il sait où il va. Putain, il m'ouvre même mes coffres. J'adore avoir un assistant. Il fait tout pour moi, et moi, tel un roi, enfin tel une queen, puisque je suis Mandy. Mandy, telle la queen qu'elle est, elle a plus qu'à ramasser. Ils sont un peu immondes, ces monstres, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve chelous. En plus, ils sont à moitié à poil. Non mais je rêve, c'est vraiment des gros cochons. Mais vous vous croyez où? Mais mettez au moins une culotte. Vous allez avoir froid aux couilles. En fait, c'est ça le cauchemar de Mensis. C'est que les victimes sont condamnées à avoir froid aux parties intimes. Quel cauchemar. Ça. Un élixir bleu. Franchement, il y a des items que je n'utilise jamais. L'élixir bleu, je ne sais toujours pas à quoi ça sert. Et je pense que je vais finir le jeu avant de savoir. Ok. Oula. Donc là, l'université tombe un peu en ruine quand même. Hein. C'est dommage parce qu'au début, je la trouvais belle. Il y avait des belles salles de classe, des beaux amphithéâtres. Là, bizarrement, j'ai un peu moins envie, quoi. Ce qui est sûr, c'est qu'avec une école comme ça, je ne serais pas demi-pensionnaire, quoi. Oh. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh. Mais j'ai pas pu m'en aller. Oh, je suis trop deg. Je me suis fait tout shot. J'ai essayé de fuir. Mais elle m'a mis vraiment deux gros coups dans la gueule, là. Je suis passé de à peu près en bonne santé à catastrophe. L'offre de Mergo. Le loft, un loft, on est d'accord qu'un loft, c'est genre la... Enfin, c'est un genre d'habitation. Je vais pas mentir, j'aimerais bien récupérer mes... Ce que lui, il a à moi, là. Non, non, non. Vite. Voilà, et on se casse. Les autres, ils se démerdent, hein. Allez, salut. Aïe, oh, c'était gratuit, ça, hein. Ah, sympa. C'est plus un corbeau, c'est plus un chien, c'est un corbe-chien. C'est super. Toujours plus d'inventions originales. Eh, ça suffit, hein. Les chiens comme vous, moi je les dresse, j'ai pas peur. Ah là c'est un... Ah! Et ben non, c'est un corbe... Après les corbes chiens, c'est les chiens corbes. Les chiens chiennaux. Ok, d'accord, je suis complètement débile. C'est sympa ce qui se passe ici, dis donc. Ça suffit. Coucher panier. Ou voler perchoir, je sais pas, les deux marches du coup. Par contre, je veux toujours un coéquipier, ça c'est pas une blague. Je veux quand même quelqu'un, s'il vous plaît. Je suis un oiseau et je m'envole. J'invente, hein. Ou alors peut-être j'invente pas, mais c'est une chanson que je ne connais pas. J'avoue qu'une part de moi a envie de faire une ligne droite, parce que c'est évident que c'est un piège, mais... Ah, il faut des esquives bizarres, hein. Oula. Oh, son épée, elle est magnifique, par contre. Son épée est incroyable. Bonjour, Confédéré R. Ça, c'est en français, ça. Confédéré, c'est pas... C'est pas un mot multilingue, quoi. Ah, cause. Or some say cousin. Do you hear our prayers? Qu'est pas ça? Non.
We shall not abandon the dream. No one can catch us. No one can stop us now. Mais aussi, il a une cache sur la tête. C'est qui, Koss? Putain. C'est lui, Koss? Non, bah non, il parlait de Koss à trois. Après, il peut parler de lui. Mécolas, hôte du cauchemar. C'est un boss, donc, ok. Bah, je vais le suivre, hein. Il sait ce qu'il fait, visiblement. Oh, j'ai un peu peur. Attends-moi! Il va trop vite. Bah, laisse-moi tout seul, putain. Je suis là. C'est lui qu'on course. Ah, je l'ai raté. Aïe. Putain, il visait l'autre, c'est moi qui me le prends. Mécolas, arrête de fuir. Reviens ici, vilain garnement. Tu as fait des bêtises. Tu devais prendre une fessée. Aïe. Oh. Il m'a one tap, c'est une blague. Ah non, là je suis triste. Ah, tu vois, là je pense que j'ai trouvé le premier... Enfin, un autre boss qui va bien me casser les couilles. Après Gascoigne, je sens que lui il va être infernal. Confédéré R. Ok, il revient m'aider. Je suis désolé. Moi, je veux bien tuer les petits, moi. Je l'aide et je tue les petits. Et lui, il tape Mécolas. Vas-y, mon assistant. Vas-y, R. Aïe. Ah bah là, ça m'a pas one tap, par contre. C'est quoi ce coup de merde? Mais elle est où? Oh, ah. Majestic! A hunter is a hunter, even in a dream. Ils sont là, mes échos. Vite. Hop là. Bien sûr, une chasseuse reste une chasseuse. Surtout quand elle est bonne, comme moi. Hot dans la chasse, je veux dire. Je suis une très bonne chasseuse. Très, très forte. J'ai terrassé plein de monstres, et toi, tu en feras partie. La musique de film d'horreur, quoi. On dirait qu'on est dans la maison hantée de Disneyland. Il fait quoi, là? Il se prend pour un loup? Il jouit? Qu'est-ce qui se passe? Waouh, c'est quoi cette attaque de ouf, là, encore? Non, mais je veux pas mourir, hein. Oh, mais... J'avais toute ma vie. Et c'est quoi cette attaque de ouf? Ça me défonce. Je sais pas, est-ce que je prends pas de l'électricité? Est-ce qu'il serait pas genre plus faible aux dégâts électriques en vrai? En vrai de vrai. Mécolas, j'ai écrit que c'est l'autre du cauchemar. Ça veut dire quoi, l'autre du cauchemar? Ça veut dire que c'est vraiment lui qui a engendré tout ça? Ça va être encore Confédéré R. Oh non, c'est pas pareil. C'est plus le même. On a étoile R. Je sais pas où il est. Il est là. Viens ici, Mécolas. Mais il est passé où? Mais il était là il y a 2 secondes. Il est là-bas. Arrête de fuir. Tu as fait des choses pas bien. Les vilains garçons se prennent des fessées. Ah putain, il est casse-couille. Et il va dans sa salle. C'est bon, c'est bon. Donc là, il va réveiller les deux gogoles là. Ah bah super, il est mort dès le début. Bah c'est super. Voilà, vu comme ça, il meurt. Ok, faut que je mette quelques coups et après que je me garde... Ah ouais, j'ai dit que je l'ai empoisonné. Il est empoisonné, là? Oui, il est empoisonné.
Ok, bon, la première phase, du coup, c'est pas un souci, surtout quand il se coince comme ça, là. En fait, il me touche parce que je suis pas sur le côté. J'ai compris. Y'a pas... Mais si, je me disais bien qu'il y avait quelqu'un. J'aimerais bien qu'il revienne là, là. Je sais pas ce qu'il fout tout là-bas, ce con. Voilà. Ah, et puis les autres, ils ont ressuscité. Allez, c'est super. Aïe. Ok, il est mort. Phase 2. Essaie de réparer ton arme. Tu gagneras peut-être plus de dégâts. Je la répare souvent, hein, même si elle a... But alas, not too fast. Not... Ah, c'est le début, c'est un merde. Non, je répare mon arme assez régulièrement, donc normalement elle a des dégâts assez conséquents. Ah bah c'est là. En fait, je pense qu'il fallait que je monte. Oh ! Il pète complètement un câble, hein. Oh, du coup, il est bloqué avec sa tac là, maintenant. Oh, parfait. Je peux faire que ça, moi, ça me va très bien. T'arrêtes plus, hein. Fais pareil, s'il te plaît. C'est génial, j'adore ça. Non ! Je me suis fait toucher que par un seul des trucs. C'est dégueulasse. Genre, il me manquait quoi? Un tout petit peu de PV, mais vraiment pas de façon significative. Je me suis fait toucher par un truc mort. Ah d'accord. Eh ben c'est super. Je vais essayer les dégâts électriques. Déjà, prendre soin des deux gogoles là. Tout en surveillant Mikolash. J'ai dit tout en surveillant Mikolash. Mais stop! Mais... Mais... Oh merde. Mais c'est pas possible. Je fais quoi, moi? Ça suffit. Oh non, c'est la fin. Je vous déteste, vous comprenez ça? La blague. Oh, allez, c'est bon. Ça me gonfle. J'y arrive pas. Du coup, ça me gonfle. J'essaie juste de taper comme un gros débile. Et du coup, je ne réfléchis même plus. Ça sert à rien. Je perds trop de temps. Ok, on réessayera Mikolash demain. Là, je laisse tomber pour ce soir. C'est pas la peine, j'arrive à rien. Donc après une bonne nuit de sommeil, ce sera peut-être plus facile. Bon, et bien écoutez, les Pogs, c'est pas ce soir qu'on fera Mikolash. C'est pas grave, on y arrivera demain. Je sens vraiment qu'en plus, il est pas si compliqué, c'est juste les attaques qui font très 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 mal, mais on les voit vachement bien venir en plus, donc c'est faisable. Du coup, les Pogs, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide vraiment beaucoup. N'hésitez pas non plus à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, pour voir tous les prochains épisodes. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, ciao !